know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Non, une nouvelle vidéo. Oh, il fait si froid, j'arrive même plus à parler. On est le jour numéro 13 du calendrier de l'Avent. Et ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit: hi! Ce serait bien que t'ailles acheter des fucking cadeaux de Noël parce que t'es un porteur, ma soeur. Donc, c'est ce que je pars faire. Je suis actuellement à Châtelet parce que j'adore aller à Châtelet. Oh, j'avais oublié que tout le monde me regardait quand je vloguais. Je me dirige vers la boutique Birchbox parce qu'il y fait bon vivre et il y a des cadeaux pour hommes et je déteste acheter des cadeaux pour hommes. Donc, j'aimerais dire à la vendeuse: tu peux trouver un truc pour mon père, s'il te plaît? Un truc pour mon mec et un truc pour mon frère. Les hommes, je vous déteste. Enfin, pas vraiment. Mais acheter des cadeaux pour vous, c'est la pire chose au monde. Donc, Birchbox, I'm coming. Mais c'est trop stylé. C'est vraiment une maison de poupée, c'est ça? Je suis dans la boutique et wesh, j'ai déjà trouvé une tonne de trucs. Parce qu'en fait dans la boutique, un coin avec des produits asiatiques, donc t'as de la beauté coréenne, ça c'est trop stylé. Là tu fabriques ta propre box, donc j'ai fait ma box. Donc je commence par visage. Petite crème hydratante. Corps, je sais très bien ce que je veux ça. Ouais. Trop bien, j'aime trop. Make-up, mascara, on a jamais trop de mascara. Cheveux, c'est pour les points de bouche. Alors ça, je vais en prendre 10. J'adore étalive d'orange. Ah, moi aussi. Et voilà ma box. Personnalisée à fond là. Pour le coup, on va pas dire que c'est pas personnalisé. T'as des parfums. T'as des produits pour les cheveux. Et bien sûr, le maquillage. Chez HM, si vous voulez, il y a le même miroir que celui que j'ai en moins cher. Un peu moins beau, mais moins cher. Donc fais pas la relou quoi. C'est moi ou HM, c'est devenu un peu nul genre. Avant, HM c'était genre mon temple. Et maintenant, j'arrive, je vois plus rien. Il y a rien de beau, il y a rien de frais, il y a rien de stylé, il y a rien de. Oh. De toute façon, j'ai trouvé un nouveau bay. C'est comme ça que les jeunes disent. Bershka. Là, je commence à être pas trop contente, ni très happy. Comment ça, je trouve rien? C'est pas un vlog? Ouais. Quand tout d'un coup. Donc, c'est une blague. Chez Birchbox, je trouve tout. Mais une fois que je sors du magasin, il n'y a plus rien genre. Juste le format favorable. J'ai Saint Laurent, ma boutique préférée. Et il se pourrait que je vienne de craquer sur un petit truc par-ci par-là. J'aimerais que plus tard mon dressing ressemble à ça, tu vois. Juste du marbre, des sacs et des vêtements disposés ainsi. Genre deux par deux, comme à l'école, en rang deux par deux. On se retrouve chez moi, je suis totalement pimpée parce que ce soir il y a un dîner. C'est un dîner d'influenceurs, c'est l'agence Adécrou qui l'organise. Donc il y a tous mes potes qui y sont et ça finit en soirée pyjama parce qu'on dort tous là-bas. Donc je suis très très contente. Aujourd'hui c'était tellement cool, genre j'étais toute seule toute la journée. Et j'aime trop passer du temps avec moi-même. Parce que franchement je trouve que je suis une personne un peu bien. J'ai mes extensions, je suis en full on dîner de Noël. Peut-être que je mets des rouges à lèvres rouges. Vous savez trop de choix avec les extensions plus la dentelle. On va rester sur le nude. Avant de partir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Chez Birchbox, j'ai pris un très gros pot de soins Amika. J'en parlais dans ma vidéo pour les cheveux bouclés. Ironique le fait que je me sois lissé les cheveux genre le lendemain. Mais ça que je disais, ce qui est cool, c'est que je peux changer de look à chaque fois quand j'en ai envie. Ouais, j'en ai foutu partout. Donc j'ai pris un fat ass pot de masque. C'est un triple soin. Nous on a la triple S et eux ils ont la triple R. Répare, restaure et revitalise. Love it. Donc ça c'est un cadeau pour moi. Oui. Chez Birchbox, j'arrive pas à dire. Chez Birchbox, j'ai aussi pris des crackers. Il y en a 6, tu les mets sur la table et le jour de Noël tu les craques. Et dedans il y a des petits cadeaux. Ensuite j'ai pris un masque de la marque OK qui est une marque coréenne. En gros c'est pour faire son masque en or soi-même. C'est genre un DIY. DIY. Genre t'as de la poudre, tu mélanges. Et je l'ai pris uniquement parce que c'était peel off. Genre c'est... Tu sais genre ce sentiment quand tu... Oh, ton masque. Voilà, j'ai hâte de faire ça. Après j'ai pris d'autres cadeaux que je pourrais pas vous montrer parce que ma famille regarde ses vlogs. Sauf mon père. Qu'est-ce que j'ai pris? Une box pour la barbe. Enfin pour le rasoir. Rasage. Pour moi c'est vraiment la pire corvée d'offrir des cadeaux aux hommes. Ensuite j'ai reçu un produit que je vais vous faire gagner pendant le calendrier l'avant. C'est juste... Yes! Je vous dirai bientôt comment participer, etc, etc, etc. Mais il y a un fucking iPhone à gagner cette année, wesh. Et sinon, chez Saint Laurent, cadeau de moi à moi. On va dire que c'est pour mon anniversaire et pour Noël. Because
J'ai travaillé un peu dur. C'est pas un sac, c'est une banane. Je la mets soit en ceinture autour de la taille, comme ça en traversière là. Voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui, les enfants. Oh, c'est pas si beau. Sinon j'hésite entre ces deux paires de chaussures. Et genre je suis vraiment restée 35 minutes chez Saint Laurent à faire chier la meuf. Je lui disais, je veux celle-ci, non je veux celle-là, celle-ci, non celle-là. Et après, 35 minutes, je faisais des maths dans ma tête. Si je les prends, après pendant combien de jours j'ai mangé des pâtes, etc. Tout ça pour qu'à la fin, quand j'ai fait mon choix, elles me disent, ah non mais on les a pas en 37. Are you kidding me? Je me suis dit, bon c'est un signe, tu peux pas t'acheter un sac et des chaussures. Je me paierai des billets d'avion à la place. Et en fait ça me rend plus heureuse. Donc voilà, je cherche une destination pour partir pour le nouvel an. Dites-moi en commentaire si vous avez des bonnes destinations de nouvel an. Où il fasse chaud, où il fasse froid. Bon après j'ai une petite préférence quand il y a du soleil et des nanas. Mais en soi la montagne m'a beaucoup surpris cette année. Donc je vous dis à demain. Je vous dis ce que je porte du fait si vous voulez. Ça vient de Zaful, ça c'est Boohoo. Et ça c'est Bershka, toute nouvelle collection. Et mes extensions c'est Air Luxury. Mais je les ai mal mises donc là je vais rejoindre mon coiffeur et me les mettre bien. Allez, bisous mes puces. Bye. Des cadeaux, mais l'appart est si grand que genre je mets 20 minutes à arriver dans le salon. Tu sais que là c'est grave un mood, tu fais genre 1 mm par rapport à toute la salle. Je te promets que t'es un petit poids, t'es un tout petit poids. Attrape, attrape, faut pas qu'il touche le sol. Oh my god, il faut pas qu'il touche le sol. Ah, ok, va, j'ai... C'est avec les pieds. Une des caméras, il est où? T'as filmé, j'espère. Oh. Allez, cours. Guys, c'est quoi ça? C'est du chocolat. Oh. C'est du chocolat? Oh. Mais c'est une télé. Elle est où la télé? Là. Mais oui, mais elle là. Mais non, c'est un miroir. Merci. Attendez, faut que je vous montre, mais je... Il est en train de nous dire que le miroir c'est une télé, genre. Mais si. Oh my god! C'est quoi tu parles, wesh? Ah, y'a plus rien. T'as vu la taille du canapé par rapport à toi? Mais t'imagines, tu te comprends pas dans ce canapé? Mais oui, par contre, tu te rends compte de la taille du canapé, je vais faire une orgie. Ouais, mais j'allais juste bien dormir. Oui, on a qu'à dormir. Idiot, idiot du village! Il a secoué! Mais... C'est un film! Toi ta gueule. Ah. Oh putain mais je suis... Attends c'est pas bien. Ça va. Speak with clarity.